Salut à tous, alors on se retrouve pour faire le dernier chapitre de la campagne Eldorado, c'est parti. Don Francesco, vous sentez ça? Le courant est de plus en plus fort. Nous ne devons plus être loin de l'océan. Excellent. Plus vite nous échapperons de cette folie, mieux ce sera. Trouvons un endroit convenable pour monter notre campement et adapter nos vaisseaux pour la navigation en haute mer. On dirait que cette île est habitée par Los Negros. Nous ferons mieux d'éviter ces cannibales et de voguer vers le nord. Cet endroit me semble parfait pour y parfaire nos bateaux. Débarquons et au travail. Alors là, on récupère les conquistadors et Orellana. On va buter les trois petits gardes. Vous pouvez rester là-dedans, remarque. Alors pour explorer rapidement ce qu'il y a sur l'île, donc il y a un peu de buissons qu'on va ramasser tout à l'heure. Par contre, faites gaffe, il y a, je crois, peut-être le jaguar, il me semble. Ouais. Et un autre vers là, je crois. Nous amassons les ressources nécessaires, nous devrions explorer la région. À en croire la rumeur, Los Negros détiendrait des Espagnols prisonniers. Est-ce bien sage, Don Francisco? La tribu de Los Negros mange. Mange des hommes au petit déjeuner. Pour autant que l'on sache, nos camarades naufragés ont été dévorés. C'est notre devoir en tant que bons chrétiens. Nous allons envoyer une expédition sur l'île à l'est de notre position à la recherche des prisonniers. Los Negros ne sont pas les seuls à savoir comment on découpe un membre. Utilisez la force si nécessaire. Hop, allez. Non, remarquez, vous allez tous dans le mur. Les canonniers, on va les laisser exprès. Jaco,
Alors ça change. Il y a des fois où ils ont que 3 bateaux et des fois ils en ont une dizaine. Et les canoës sont quand même super puissants. Oh, c'est vraiment chiant. Bon. Voilà. Non mais, les gars, sans déconner. Gorvidia. Alors, Dieu a entendu nos prières chez le lieutenant général Juan Corretto, Cortero. C'était sûr. On lira après. Là, vous mettez le héros en tant qu'un. Entendu prière, je suis tellement. Je suis le lieutenant Juan Cortero, du coup. Et nos galères se sont échouées sur cette île il y a des mois de cela. J'avais presque abandonné tout espoir, mais vous venez de nous sauver la vie. Enchanté, lieutenant général, rejoignez-nous et nous vous sortirons de cet enfer. Mais d'abord, y a-t-il d'autres prisonniers? Non, ils ont tous été mangés. Nous réclamons vengeance au Rilana. Mais nous ne pouvons pas nous battre à main nue. Ils gardent nos armes dans un troupeau sur l'île. Je l'ai pas expliqué, mais le but de l'objectif. Ah bah, ils vont nous l'expliquer après. Oui, donc c'est bon, j'ai rien dit. J'étais un peu trop en avance.
Nous avons leurs armures, nous devrions retourner auprès de Juan. L'heure de la vengeance a sonné. J'aime votre manière de voir les choses, Don Juan, mais pour être honnête, mon équipage et moi, et moi-même, aimerions quitter cette rivière le plus possible. Donc là, vous allez faire un groupe d'inutiles. Je comprends, Francesco, mais ces petites îles ne vous offriront pas les ressources nécessaires. Alors, attends, mais deux de plus, s'il te plaît. Et là, t'as combien de place? Ouais, ça passe. Je me dirige vers là, peut-être, ouais. Faudra faire gaffe. Putain. Alors, je comprends, vous avez deux options. Vous pouvez essayer de trouver de l'aide auprès des tribus pacifiques au nord et à l'ouest. Vous pouvez essayer de vous emparer des riches mines de Los Negros. Merde, c'est pas ça. Et mon objectif est donc de préparer votre flotte pour un voyage en haute mer construisé 15 galions. Il faut donc que je passe à la château, après que je passe à l'âge impérial, que j'améliore mes galions et que j'en fasse 15. Ils sont pas agressifs. C'est pas croyable ça. Je sais pas c'est quoi cette connerie de mettre des mecs en putain des soldats en passif quoi. Ça c'est vraiment un délire. Là franchement c'est complètement con. Voilà. Là j'ai juste normalement besoin de tuer celui-ci. Voilà. On dirait que nous avons interrompu la construction d'un temple, ça pourrait intéresser des prêtres Janako. Ok. Donc là, vous allez sortir. Vas-y, pose-toi là. Et lui, là, il est en agressif, il veut pas taper le truc. Non, mais quand même. Parce que c'est un bateau, tu peux pas le toucher. Désolé aventurier, mais je n'ai plus de poisson. Los Negros ont pris mes coins de pêche. Peut-être seriez-vous assez fort pour aller leur donner une leçon. Hop. Los Negros essayait de construire un temple sans doute tril. Et vous les aviez arrêtés? Ah, ça leur apprendra. Là, vous avez les 200 d'or nécessaires pour passer à l'âge. Donc vous le faites. Bon, tu me dis pas qu'il n'y a pas de place, s'il te plaît, il y a de la place. En même temps, il mettrait pas des conneries inutiles là-dessus. Il y a un navire transport qui va aller tout en haut. Donc vous allez par là. Toi aussi, tu veux aller en bas. Tu peux y aller. Ouais, vous êtes bien blessé, vous. Il y a de la pierre, vous pouvez prendre la pierre si vous voulez pour construire des tours, mais personne ne vous attaque. Donc bon, merde, je me suis trompé. Si. Hop. Nous menons en ce moment des fouilles dans l'ancien temple de Pachacamac, le dieu aux deux visages, mais pour le moment, nous n'avons trouvé qu'une seule tête. Nous pensons que la deuxième tête se trouve sur l'île près d'ici, mais aucune des expéditions que nous avons envoyées n'est revenue. Peut-être pourriez-vous aller sécuriser l'île? Ça me semble faisable. Alors. Ah, j'ai oublié d'emmener quelqu'un, c'est vrai. Shit, il y a quelqu'un là. Ouais, il y a plusieurs personnes. Vas-y, go. On inverse les trucs.
changer d'âge. Hop. Vous arrivez juste à temps pour admirer le duel entre le champion de Makapapak et le champion des Janaku. Ils combattront jusqu'à la mort pour satisfaire le dieu, je sais pas quoi. Si nous gagnons ce duel sacré, notre tribu sera bénie par la faveur des dieux étrangers. Si vous menez notre champion à la victoire, nous aurons une dette éternelle envers vous. Alors moi, je vais contrôler celui-ci, et bien sûr, qui est bien moins fort que le guerrier aztèque, qui a des dégâts bonus face à l'infanterie. Donc pour égaliser et me permettre de gagner, voilà, il y a des relais qui vont pop, qui vont m'accorder des bonus, mais il faut que ce soit moi qui l'atteigne en premier. Donc là, j'ai gagné 3 d'attaque. Il y en a aussi qui donnent des PV et qui donnent du coup 50 vies. Et comme d'hab, voilà, toujours arrivé en premier. Donc lui aussi essaiera d'y aller. Voilà. Donc là, l'avantage c'est que moi du coup je suis un éclaireur. Je suis un peu plus rapide. Mais bon, faut se méfier. Donc là, je vais accumuler plein de bonus. Et quand je serai assez fort, j'irai l'aggro. Hop, attaque. Voilà. Là, ça a dû pop directement sur moi parce que je l'ai pas vu. Je suis en train de regarder chez moi et du coup j'ai pas fait gaffe à la relique là. Bon, il en a pris une, c'est pas grave. Oh oui, ça lui a donné 100 vies en plus directement. Oui, ils sont en train de m'attaquer les rouges, c'est ce qui me semblait. Putain, fais chier. Ça fait un peu juste pour ce fight là. Surtout qu'elle a gagné 100 vies du coup. Là, normalement, il m'attaque jamais. Attends, dernier bonus. Oh, 650. Allez, si on y va. Go. Les dieux sont satisfaits. La victoire revient au champion de Makapaba. Hop, je gagne 400 or. Voilà, c'est quel buté. Vous sommes extrêmement reconnu. Ainsi, tu es venu tester tes connaissances étrangères. Réponds correctement à mes 3 énigmes et je te récompenserai. Mais si tu te trompes, alors tu connaîtras le sens du mot douleur. Si tu penses être à la hauteur, mange une de mes baies magiques. Voilà, hop. Ah, bravo, voici la première. Qu'est-ce qui court mais ne marche pas? Murmure souvent mais ne parle jamais. Possède un lit mais ne dort pas. A une embouchure mais ne fait pas de musique.
Donc j'ai le choix, la lueur violette, une montagne, une rivière, un nuage. Je vous laisse 2-3 secondes pour répondre. C'est la rivière, donc c'est la jaune. Correct, je savais que tu étais malin. Si tu te sens prêt pour une seconde énigme, prends une autre baie. Putain, ça commence à me saouler ça. Alors, une deuxième énigme, donc j'ai toujours faim, il faut toujours me nourrir le doigt que je toucherai. Très vite, mince, le doigt que je toucherai très vite va rougir. Voilà. Donc, le feu, la terre, l'air. J'ai toujours faim, il faut toujours me nourrir le doigt que je toucherai très vite va rougir. Le feu. Oui, tu as l'esprit vif, mais pourras-tu résoudre une dernière énigme? Prends-en une. La dernière, dis mon nom et je disparais. Que suis-je? Les ténèbres, le silence, le temps. Réponse, le silence. Bravo, tu es une des rares âmes à avoir résolu toutes mes énigmes. Je suis impressionné. Hop, voilà, ça c'est fait. Il explose après, c'est marrant ça. Ok. Donc là, j'ai une quête là-bas, à gauche. Mais avant, il faut que je aille voir le forgeron là-bas. C'est bon, vous allez être sortis là, les gars, à peu près? Ouais, il me faudrait 100 d'or de plus pour passage impérial. Si vous cherchez des armes, vous arrivez au même moment. D'habitude, je me fais apprisonner par les mines de l'Ouest, mais je n'ai reçu... Attendez, il faut que je fasse ça en premier. Mais je n'ai reçu aucune livraison derrière moi. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous alliez y jeter un oeil. Ok, on va jeter un oeil. On dirait que Los Negros ont massacré ces pauvres mineurs. Nous devrions vérifier s'il reste des survivants. Des survivants dans ces grottes. Voilà de la chair fraîche, les gars. Attrapons-les. Piou, 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 piou. Piou, piou, piou. Piou, piou. Piou, 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 piou. Piou, piou, piou. Après, vous allez au fond. Rien d'autre que des cadavres, nous devrions aller prévenir le maître forgeron à Macpaba. Ok, on retourne ici. Tac forgeron, j'avais bien peur que Los Negros soit derrière tout ça. Mais grâce à vous, les mines sont à nouveau sûres et mes affaires peuvent reprendre. Vous en priez, veuillez accepter cette modeste compensation. Hop, on enchaîne. Apprenti, prépare l'établi, on va renforcer nos livraisons. On a cette quête là, vous nous rendez visite. Alors que nous connaissons nos heures les plus sombres étrangers. Quelqu'un a assassiné mon frère Supé et a abandonné son corps. Mince. Mince. Son corps au beau milieu de la place du village. Alors, nous avons arrêté 4 suspects, mais nous n'avons pas d'indice supplémentaire. Peut-être pourriez-vous nous aider à y voir plus clair sur cet horrible crime. Allez à la rencontre des... Putain, décidément, il m'avait jamais attaqué avant. Ouais, tu commences à faire chier toi.
Allez à la rencontre villageois et rassemblez autant d'informations que possible. Si vous arrivez à une conclusion, retournez me voir. Montrez-moi. Et montrez-moi qui est le meurtrier, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Hop. J'ai vu pas mal de blessures durant toute ma vie de guerrier. Laissez-moi voir. Laissez-moi vous dire une bonne chose, étranger. Celui qui a tué Subet avait sans l'ombre d'un doute suivi une formation militaire. Donc là, déjà, on dégage le moine. Bon, attendez, faut que je m'occupe de ça. Ça, c'est les navires qui deviennent agressifs à partir du moment où on récupère la quête du pêcheur, là-haut. Sinon, ils sont neutres. Enfin, ils sont neutres. Ils sont pas agressifs, on va dire. On va pas dire alliés, parce qu'on pourrait crever devant eux, je pense qu'ils s'en foutraient. Bon, je crois qu'on va finir par prendre de la pierre. Ils ont jamais été agressifs comme ça, c'est marrant, quoi. Franchement, c'est totalement différent d'une partie à une autre. Faut aussi détruire les pièges à poissons pour récupérer la récompense. J'étais déjà au lit quand Supé a laissé entrer quelqu'un. Ça devait être un habitant du coin. Sinon, il n'aurait même pas ouvert la porte. Peu après, j'ai entendu un horrible cri et sanglots. J'espère qu'ils ne compenseront pas ce manque de nourriture en mangeant d'autres personnes. Enfin, retournons voir le pêcheur pour notre récompense. Donc là, hop, tac, 200 or, vous passez à l'âge impérial, les gars. Je pars pêcher, j'espère juste que la pianteur de l'os négros n'aura pas chassé tous les poissons. Hop, âge impérial. Là, vous prenez un petit bonhomme. Pour les attirer, voilà, venez les gars, hop, ah, ça peut-être pas suffit, hop, si, ça peut-être suffit, voilà, faites gaffe parce qu'avec les mecs qui ont un de portée là, ils peuvent vous toucher facilement, boum boum boum, voilà. L'île est sécurisée, nous devrions retourner parler aux chercheurs. Attends, le moine, ok. Voilà. Un de plus. Merci infiniment, nous pouvons enfin étudier les deux facettes de Pachacamac. Alors, vous pouvez revenir ici, les gars. Dernier témoignage. Forgeron. L'enquêteur m'a demandé de jeter un œil à la scène du crime parce que j'en connais un rayon sur les armes. Je n'ai rien trouvé d'autre qu'une plume. Peut-être qu'on l'a chatouillé à mort. Avant que vous ne fassiez part de vos conclusions, écoutez la version de chaque suspect. Après tout, vous avez leur vie entre vos mains. Je suis Pacari, je suis né sur cette île et je ne l'ai jamais quitté. Ceux qui connaissent les guerriers jaguars savent que l'honneur leur importe plus que tout. Alors je jure sur mon honneur, je n'ai pas tué Supé. Je suis Tonapa, guerrier du village Pacapa au sud. Je ne suis arrivé sur place qu'après
que le meurtre ait été commis, mais l'enquêteur ne veut pas me croire. Je m'appelle Ikuno, et je vis et m'entraîne dans le camp de tir à l'arc juste derrière nous. Supé était un bon voisin, pourquoi est-ce que je voudrais le voir mort? On m'appelle à passer le bon, j'ai passé ma vie à lire les signes des dieux, soit-il. Je ne connais pas grand-chose au meurtre. Voilà, vous les avez tous entendus. Qui allez-vous accuser du meurtre de mon frère? Alors les gars, qui est-ce que vous accuseriez? On élimine déjà le moine parce que la personne qui a tué Supé avait suivi un entraînement militaire. On élimine le guerrier jaguar parce qu'on a trouvé une plume. Il nous en reste deux et il nous reste donc le guerrier aigle qui nous dit venir de l'île de ce village-là. Et l'autre qui dit être le voisin de Supé, le mort. Et pourtant, la femme de Supé nous a dit quelque chose d'intéressant. La femme de Supé nous a dit, remarque, ça va se faire un peu haut pour récupérer tout. J'étais déjà au lit quand Supé a laissé entrer quelqu'un. Ce devait être un habitant du coin, sinon il n'aurait même pas ouvert la porte. Et oui, c'est l'archer. C'est lui, le tueur. Comment avez-vous? Aucune importance, je ne vous regrette rien. Supé était un véritable casse-pied. Il volait mes flèches, il méritait de mourir. Et vous aussi. Boum. 200 or. Alors, vous améliorez. Vos petits bonhommes. Vous en faites d'autres. Vous êtes soignés. Il nous reste une quête à faire. Je sais pas si j'aurai déjà les 15, j'ai pas compté. Ils sont un peu buggés. Tant mieux. Là ils sont plus buggés. D'anniversaire de guerre, il m'en compte 17. J'ai 3 nuits de transport, ça veut dire que j'en ai 14. Ok, il me reste un galion. On va juste faire la dernière quête pour que vous sachiez comment se caler. Boum. Ah non, c'est pas la dernière quête, les gars. Je vous dis des bêtises. C'est l'avant-dernière. Il me faut un navire de transport. J'en ai un ici. Tu prends celui qui est le plus en vie, on va dire. Ouais, vous avez pris le chemin plus simple pour passer ici, bien sûr. Ah, de toute façon, faut que je les transforme en galion. Je les transformerai en galion tout à l'heure. Là, vous avez la fameuse sorcière. Ah, imbécile d'aventurier, vous voulez réellement nous opposer aux forces de la forêt. Vous opposez aux forces de la forêt. Hop. Donc là, vous le focusez rapido. Les animaux semblent moins malveillants, je ne sais pas quel effet cette femme avait sur eux, mais ils semblent avoir disparu.
nous devrions retourner voir le garde. Ok. Bon, ça, je m'en fous maintenant. Et la dernière, c'est celle-ci. Et vous voulez faire quelques piécettes, j'ai entendu dire que les Macapaba allaient organiser un festival et allaient avoir besoin de nourriture. Je peux en vendre à un prix élevé dans leur marché. Le problème, c'est que les fruits, ça pourrit. Si vous pouvez m'y amener suffisamment rapidement, on partagera les bénéfices. Prenez juste de la nourriture dans notre marché quand vous serez prêts. Hop, hop. Et là, du coup, à ce moment-là, les gars, vous avez des navires, en fait, qui pop. Donc faites gaffe, hein. Parce que si vous perdez le chariot, vous perdez la quête. Voilà. Après, il faut savoir que cette porte est verrouillée. Donc passez par le bas directement. Ouais, ils sont déchaînés. Enfin, de toute façon, je m'en fous. Franchement, c'est la première fois qu'ils m'attaquent. Vous pouvez regarder, j'ai franchement, je me suis pas du tout occupé de mon village. On peut très bien faire la partie sans. Mais sinon. Il y a un chrono en fait pour amener le chariot quand même, faites gaffe. Ah, ils ont payé une petite fortune pour ces fruits frais comme je l'avais prévu. Voilà votre part des bénéfices. Je crois qu'il y a eu un dialogue qui s'est mélangé par contre. Don Francisco, les bateaux sont prêts pour naviguer sur l'océan. Voilà, c'est tout. Très bien, tout le monde à bord, quittons cette folle rivière sur le champ. Et voilà, c'est gagné, normalement. C'est de... Ouais, c'est bon. Dans les bateaux, ils sont un peu chiants. Mais il y a... Voilà, il y a pas mal de bateaux de guerre quand même. Donc ils sont bien défendus, hein. Franchement, c'est un peu la galère. Moi je préfère vraiment ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Giga, bah écoutez, je vous laisse, c'était la dernière partie de la campagne d'Eldorado. Donc la suite, ce sera, je sais pas quoi. J'ai un nom un petit peu bizarre. Allez, à plus.